Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue, Stade Geoffroy Guichard, 23e journée du championnat de France de première division, qui voit la Saint-Etienne accueillir ce soir l'équipe des Girondins de Bordeaux, une équipe des Girondins de Bordeaux classée 4e au classement et qui vient ce soir dans le Forêt pour gagner. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-Philippe. Et les deux équipes peuvent rentrer sur le terrain. Du côté de la Saint-Etienne, eh bien, ce soir, c'est une équipe ultra rajeunie. Lolo a pris peu d'élan. Elle est bien partie. Et Gaëtan Huard sans problème. Et Franck Périot qui boite. Claqué. Derrière la cuisse gauche. Va être obligé de céder sa place. Il va être remplacé par Fouzi Ziadi. L'infirmerie était déjà bien pleine. Ouais. Nouveau coup de malchance pour les Verts. Alors ça, c'est sûr que ce n'est pas fait pour ranger les affaires stéphanoises. Après 16 minutes de jeu. Changement d'aile. Lizarazu, tout seul. Sans tête de Dugarry et superbe arrêt de Grégory Coupé. Il fallait aller chercher cette tête qui rebondit dans les 6 mètres. C'était pas évident. Le public apprécie, le public se réveille et applaudit ses jeunes. Centre de Lanier pour la tête de Zierzewski. Ziadi devant Huard et qui se heurte au portier bordelais qui va rajouter. Zierzewski qui s'est heurté à Zidane. Et des duels maintenant, faute de Zierzewski qui, ben oui, on va prendre un avertissement. C'était prévisible. Il essayait de centrer sur Ziadi, mais c'était heurté à l'arrière-garde bordelaise. Attention à contre-attaque. Bancarel, une frappe qui passe devant la cage de Grégory Coupé. Début de cette seconde période. Entre la Saint-Etienne et Girondins de Bordeaux, score à 8 ans de 0-0 et un changement en ce début de seconde période avec la rentrée côté bordelais de Valdahir. Hitchge qui relance. Oh là là, règlement de compte entre Zierzewski, Zidane et bagarre générale sur le terrain. Ah oui, ça c'est Zierzewski qui va se faire expulser. Il s'est fait justice lui-même, Piotr Zierzewski. Et ça continue avec Dugarry. Oui. Zidane là, qui avait mis un petit coup à Zierzewski. Et Zierzewski, alors que le ballon n'était pas du tout là, allait se faire justice lui-même. Et voilà, monsieur Pochard qui sort le rouge pour Zierzewski. Qui quitte le terrain. Et Laurent Blanc n'est pas content parce que il se fait écrouler par Dugarry et on ne dit rien. Il est expulsé, Piotr. Piotr est expulsé, hein, je pense pas. Si, si, si. Voilà. Et évidemment, Laurent Blanc va poser des réserves apparemment. On appelle le capitaine. Monsieur Pochard ne veut pas arrêter le match. Le premier arrêt de jeu, normalement, c'est ça. Je crois qu'apparemment, le staff technique de la Saint-Etienne voudrait poser des réserves sur cette rencontre après la prestation de monsieur Pochard. Centre de Potillon, la tête de Ziadi et un arrêt de Gaëtan Huard. Wichge pour tirer ce coup franc lointain et une frappe au-dessus de la cage dégagée d'une claquette par Grégory Coupé. Dugarry. Ouh là là, une erreur de Laurent Blanc qui en fait contrôle la balle pour Bancarel. Et Bancarel qui marque le but. Allez Stéphanois qui mérite vraiment pas ça. Au centre de Bastou qui change complètement de côté, c'est pour Potillon. Et qui récupère la balle.
Et Laurent Blanc qui vous avons en poste. Polanyi qui va mettre dans le paquet pour la tête de Laurent Blanc. Et le but! But de Laurent Blanc! Laurent Blanc qui égalise sur cette superbe remise de Polanyi. Et les Bordelais peuvent récupérer. Duel. Mitchke. Oh, le coup de talon du Stilal. Le coup de talon dans la figure de, eh oui, de Stéphane Santini. Expulsion du Stilal. Qui venait juste de faire son entrée. Et qui aura donc passé une minute sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Oh là là. Et ça s'énerve entre Prunier et le banc de touche. Pour la tête de Ziadi et l'arrêt de Gaëtan Huard. Bien Ziadi. Polanyi, de nouveau sur Laurent Blanc. Pris dans la tenaille et est passé Laurent Blanc. C'est bien joué, il va pouvoir centrer sur Ziadi. Duel. Balle piquée pour Bancarelle, une frappe au-dessus. Pour ce qui pourrait être peut-être la dernière action de cette rencontre. Et Degerville qui dégage. Gaëtan Huard. Santini, et c'est fini. Fin de cette rencontre qui voit la victoire de l'association sportive de Saint-Étienne sur l'équipe des Girondins de Bordeaux par 2-1, et ça avait pourtant mal commencé. Ils ont fait plaisir à ce public Stéphane, ils avaient beaucoup à se faire pardonner. Ce soir on a vu la victoire du courage, la victoire avec les tripes. Laurent Blanc va ouvrir son maillot au cap stéphanois. C'est toute une image, c'est beau, regardez la caméra d'Alex Mainck avec Laurent Blanc qui a franchi la barrière et qui a ouvert son maillot. Monsieur Laurent Blanc, bravo.